Quelle belle soirée vraiment, et quelle météo idéale pour jouer au football, ou pour en regarder, comme ça va être le cas pour vous. Pierre Ménès est à mes côtés bien sûr, on va s'intéresser à la Ligue 1 Uber Eats avec cette rencontre. L'AS Saint-Etienne affronte l'Olympique de Marseille. Un match dont les supporters parlent beaucoup entre eux, tu t'en doutes. Je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri, mais nous on attend surtout un bon match. Dimitri Payet, un élément essentiel de cette équipe. On va suivre de près sa performance aujourd'hui. Oui, c'est un brillant technicien, très agile avec le ballon et un excellent dribbleur. Voici la composition de l'AS Saint-Etienne. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. Les 11 titulaires de l'Olympique de Marseille, les voici. Alors voyons le dispositif tactique choisi par l'entraîneur. Il a opté pour un 3-4-3, visiblement. Les deux équipes ont décidé de prendre le match en main et de jouer vers l'avant. Coup d'envoi donné à l'instant par les Verts. Denis Banga. Si c'est... Mathieu Debuchy. La passe est interceptée. Quel est Takar? Boubacar Camara. Portovin. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Et le corner, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix là. Le corner qui est joué en deux temps. Centre long au deuxième poteau. Ah, il a bien lu ce centre, le gardien. Oh, l'erreur de marquage du défenseur. Payet. Oui, le centre peut-être. Milik. Oh, l'ouverture du score. Déjà un but dans cette rencontre. Ah, ça devait être animé. Ça paraît toujours facile de marquer d'aussi près, mais en fait, c'est pas tant que ça. Hein. C'est justement quand ça paraît facile que tu sais que le mec est un bon buteur avec du flair. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. L'OM, pour l'instant, qui est devant au score. Le numéro 19, Arkadiusz Milik. Paul Lirola. Florian Thauvin. Arkadiusz Milik. Il repousse le tir.
Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Les Marseillais à l'attaque. Boubacar Camara. Dimitri Payet. Il perd le ballon. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Ça joue bien côté stéphanois en ce moment. La défense qui n'est pas très en place, hein, me semble-t-il. Ce sera une touche pour la SSE. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Ouais, joli contre du défenseur. Ouais, le bon centre dans la surface. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Ouais, dommage, ça n'ira pas plus loin sur cette action. Pour connaître les prochains matchs à venir, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Camara. Merci. Il va pouvoir centrer. Gueye. Le ballon va être en touche. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Et ça fait but, donc, Pierre. Ouais, ouais, comme on a dit, gros pressing, une passe mal assurée. Et quelques secondes plus tard, ça fait but. On revoit le but, effectivement. Le ralenti est cruel pour ce joueur. C'est bien une perte de balle qui est à l'origine de ce but. On voit ce but sous un autre angle. Et le voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. De Marseille, le numéro 26, Florian Thauvin. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Boubacar Camara. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Et le défenseur qui a contré. Boubacar Camara. Nagatomo. Arkadiusz Milik. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Mathieu Dubuchy. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Arnaud Dordain. Romain Amouma. Ouais, lumineuse cette passe. Ah, c'est contré. En profondeur, oui, bien vu. Pas de problème pour le gardien. Ce sera un corner. Il cherche le point de pénalty. Mauvais dégagement là, attention. Ouais, le ballon qui change de camp, magnifique. Paul Lirola. Arkadiusz Milik. Attention, ça peut faire but. Oh, elle passe tout près du cadre, cette reprise. C'était pourtant très bien exécuté, avec un peu de réussite, c'était au fond. Il n'en croit pas ses yeux, et pourtant c'est une belle occasion qui vient de vendanger, là.
Et il envoie le ballon très loin. Paul Lirola. Le ballon toujours pour Florian Thauvin. Qu'est-ce qu'il va faire ? Dimitri Payet, contré. La passe est coupée et bien défendue. Bon ballon d'attaque pour les Stéphanois. Là, il fallait intervenir urgemment. Gay. Nagatomo. L'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2-0 au tableau d'affichage. Je crois qu'on peut le dire, hein, Pierre. Voici un joueur qui apporte beaucoup à son équipe aujourd'hui. Il a touché beaucoup de ballons, qu'il a essayé de transformer en occasion. Et effectivement, ça a payé avec ce but. C'est une belle prestation dans l'ensemble. Marseille qui a donc viré en tête à la pause. On va voir maintenant quel sera le scénario de la seconde période. Nagatomo. Avec Payet. Gay. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Quel est Takar. Gay. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Nagatomo. Payet. Florian Thauvin. C'est sans problème pour le gardien. Mbappé Camara. Allez, par-dessus, pas mal. Et l'arbitre qui siffle. Un enjeu lui a été signalé. Arnaud Dordain. Camara. Ça, c'est pas très bien joué. Ballon en profondeur. Il avance encore. Et le latéral qui a mis son corps en opposition sur ce centre. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui ? Le numéro 22, Pape Gueye. Son remplaçant, le numéro 21, Valentin Rongier. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Boubacar Camara. Valentin Rongier. Ah, le bon décalage de Payet. L'action n'ira pas plus loin. Ça sort, le gardien qui va pouvoir relancer. Un joueur qui sort sous une ovation. Il a fait un très bon match. Cette reconnaissance de ses supporters doit lui faire plaisir. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. C'est un ballon perdu.
Dimitri Payet. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Allez, le ballon en retrait. Il cherche une solution. Oh, l'occasion! Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème! Ballon perdu. Mathieu Dubuchy. Cissé. Papé Camara. Pas d'intensité dans le jeu de cette équipe et forcément ça va donner des idées à l'adversaire. Ce sont les Marseillais qui récupèrent ce ballon. La petite passe lobée là pour Flotovin. Paul Lirola. Arkadiusz Milik. Le ballon qui est sorti, ça va être une sortie de but. Saint-Étienne. Et voilà qui va sortir. Il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match. Performance solide de sa part. Le numéro 10, Wahbi Khazri. Changement pour l'Olympique de Marseille. Joueur sortant, le numéro 19, Arkadiusz Milik. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ça s'est donné à l'adversaire. Dimitri Payet. Il n'y a personne sur les côtés. L'OM qui va pouvoir développer son action. Valentin Rongier. Ah, le mauvais passe. C'est rendu direct à l'adversaire. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Ouais, bien joué. Bien joué le défenseur. Mathieu Dubuchy. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Et pour qui ce centre ? Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Bonne transmission. Il se présente face au gardien. Allez, position de hors-jeu. Position de hors-jeu pour Florian Thauvin. Il est parti trop tôt là. Il faut qu'il soit plus attentif à ce qui se passe. Alors qu'on va procéder à un changement. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Payet. Oh, la grosse occasion pour Dimitri Payet. Et le but. Eh oui, c'est le grand retour du tiki-taka. Ça fait plaisir de revoir des actions de ce genre. Ça avait un peu disparu de la circulation. Vous savez ce que c'est la mode, hein, même dans le foot. Franchement, à cette distance, c'est impossible de rater. Ils ont une avance très confortable à l'approche de cette fin de match. Camara. Khazri. Ouais, bien joué par-dessus. Mathieu Dubuchy. Il est en train de remonter le terrain. Wahbi Khazri. Ça n'ira pas plus loin.
Valentin Rogier. Florian Thauvin. Ils font tourner le ballon, hein, c'est assez fluide. Hein. Ah, et pourquoi ? Parce que les joueurs savent se rendre disponibles pour. Attention, on ne peut plus l'arrêter, attention ! Oh, il a sauvé son camp, hein, sur cette action. On va jouer 4 minutes de plus. Dimitri Payet. Valentin Rogier. Dario Benedetto. Il cherche des solutions là. Dario Benedetto. Oh, bien joué. C'est terminé. Ça se termine donc par cette défaite à domicile. Une équipe qui rend une copie franchement pas terrible. Hein. Le score d'ailleurs est là pour en attester. Oui, le centre peut-être. Milik.